Pas de producteurs, pas de chocolat. C'est avec ce thème évocateur que la 9e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat a ouvert ses portes le samedi 28 septembre, se tenant au Parc des Expositions d'Abidjan. Cet événement met en avant le rôle crucial des producteurs dans la filière cacao, moteur de l'économie ivoirienne. Il s'agira de mettre en relève des solutions concrètes pour renforcer la cohésion des producteurs, garantir leur juste rémunération et promouvoir des pratiques durables par le développement des partenariats riches et des acteurs qui auront un impact positif sur la vie de nos producteurs. Élément très attendu des acteurs de la filière, l'annonce du nouveau prix Borchamps fixé à 1500 francs CFA pour la campagne 2023-2024. Une annonce précédée par un bilan des autorités. Nous devons revenir aux fondamentaux. Comment garantir la continuité de la production du cacao sans celui-là même qui le produit? L'État s'engage à faire toute sa part. Cependant, l'industrie doit encore faire des efforts substantiels, notamment en garantissant un prix suffisamment rémunérateur aux producteurs. Les meilleurs producteurs et coopératives ont également été primés lors de cette première journée. Ces acteurs, souvent discrets, jouent pourtant un rôle essentiel dans la préservation de la qualité du cacao qui fait de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial.